Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette séquence qui nous emmène vers la découverte des métiers, des métiers du secteur primaire, secondaire, tertiaire. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Étienne Lemallier. C'est bien ça Oui, c'est tout à, Je à fait prononce ça. bien Super. Très bien. Voilà. Alors, Étienne, tu es actuellement euh, à l'ESTA, donc à Belfort, tu, à Belfort. Tu nous diras mmh. ce que c'est. Voilà, c'est une école de commerce, une autre école de commerce, donc tu nous expliques ce que c'est. Et tu es en préparation d'un diplôme bac plus 5 en ingénierie d'affaires, en commerce ouais. et marketing. C'est ça, oui, tout à fait. Quant à ton métier, on va dire que tu es dans le business, de... tu es, voilà, on va dire business développeur sur acquisition, projet dans le secteur automobile. Oui, c'est ça, chez Fortier. Voilà. Ouais. donné les fort grandes en gros, mais on va voir les détails. Alors, je précise pour celles et ceux qui nous regardent. Des fois, je regarde à ma droite, je regarde en face, pour la simple raison, c'est qu'en face, je suis avec Étienne, avec la webcam. Mais comme la webcam elle est de mauvaise qualité, je regarde à droite parce que j'utilise une caméra de, me de meilleure qualité. Voilà, ne soyez pas étonnés si des fois je, je tourne la tête. Voilà. Donc, au moins, c'est précisé. C'était voilà. Ce exact. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci d'avoir accepté d ma proposition, ma demande de partager ton parcours. Bah, pas de souci, hein, c'est toujours un plaisir. Voilà. Donc, je précise qu'on s'est rencontrés, on a fait connaissance à l'UTBM parce que j'interviens, je dirais, quelques heures dans la découverte de la comptabilité et de la gestion. Voilà. Exactement. Oui. C'est là qu'on a fait connaissance et j'ai mmh. découvert ton parcours, tes projets et je t'ai proposé d'enregistrer un entretien. Bon, Donc, ça me va. J'ai un parcours tout à fait atypique, on le découvrira après, mais voilà. Un parcours bah, atypique et... qui m'a amené ici. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse parce que ton parcours est atypique. Je demandé absolument qu'on partage, qu'on enregistre. Ça va servir certainement pour celles et ceux qui le regardent, que ce soit les lycéens, les étudiants, les parents, demandeurs d'emploi, ou personnes en reconversion ou tout simplement les personnes curieuses qui veulent découvrir des parcours atypiques. Alors, je vais te laisser te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et où. Et après, on ira plus en détail dans notre entretien en donc moi je m'appelle Étienne Lemallier, donc j'ai 28 ans. Actuellement, euh, je suis en apprentissage donc euh, chez Forvia, euh, ex Foresia dans le secteur automobile. Euh, comme tu l'as évoqué, donc je suis business developer en acquisition. Donc euh, c'est euh, nous qui nous occupons en fait quand un, un constructeur fait un appel d'offres euh, pour euh, répondre à des specs particulières pour ses prochains véhicules. C'est nous qui nous occupons de catégoriser et quantifier sa demande pour y répondre le mieux possible avec nos options et, euh, et voilà et après on fait tout ce qui est euh, chiffrage costing business plan et on leur offre euh, une offre complète euh, complète à ce constructeur là et après ils décident et puis on, on passe sur des sur des négociations pour savoir ce qui va ce qui va pas comment est-ce qu'on peut ajuster le tir en fonction des coûts et de voilà de plein d'autres paramètres et euh, donc actuellement, donc je suis en apprentissage, comme je le disais, je suis en Master 2 donc à l'UTBM en ETI, donc c'est Entrepreneuriat, Technologie et Innovation. Et je suis aussi à l'ESTA, qui est une école de commerce spécialisée en ingénierie d'affaires. L'ingénierie d'affaires, c'est quoi C'est toutes les bases du commerce et du marketing, mais mis euh, au devant de la scène sur l'industrie pure et dure. Donc on nous apprend, c'est quoi l'industrie Comment ça marche et comment est-ce qu'on peut se positionner en tant que leader dans le commerce, dans l'industrie, euh, au sein bah, de quasiment bah, tout le panel industriel qui existe aujourd'hui. Donc, euh, l'industrie de masse, que peut être l'automobile, l'aviation et autres. Et également, bah, les industries euh, plus pharmaceutiques, euh, les industries un peu plus nouvelles dans l'informatique, le développement durable, les énergies nouvelles, etc. Alors, Étienne, on va commencer tout de suite par euh, une première, je dirais, demande. Présente-nous ton, ton parcours, parce que ton parcours, il est riche, que ce soit professionnel, entrepreneurial ou universitaire. D'accord, alors... Pour démarrer donc mon, mon parcours pro euh, à, à proprement parler, donc, euh, il a commencé chez Louis Vuitton suite à un changement, un d'études, un changement de voie dans les études que j'ai souhaité faire. Donc j'ai commencé chez Louis Vuitton en tant que maroquinier, donc euh, vraiment artisan du cuir, euh, voilà sur sur table pour faire les maroquineries. Moi j'étais spécialisé principalement chez les femmes. Euh, et après, je suis resté chez Viton et euh, je suis passé euh, ce qu'on appelle au point. Donc là, c'est au bureau de développement euh, pour, les, on va dire, le design développe une idée, euh, un, un concept qu'il veut mettre en place dans les défilés. Et euh, moi, je m'occupais en fait de conceptualiser cette idée et de la rendre industriellement faisable. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait chez Viton pendant quatre ans. C'était un, une expérience extrêmement riche, autant au niveau... Euh, artistique, parce que ben, ça oblige à, à s'informer, à être au courant de plein de choses, plein de techniques, etc. professionnellement parlant, ben, ça m'a donné un réseau euh, très riche, globalement, avec plein de types de personnes, que ce soit des artisans, des ingénieurs, des gens en école de commerce, des logisticiens, etc. ça m'a donné une expérience très, très riche, très globale. Euh, après 8 ans, je suis parti, je suis allé dans une, euh, une entreprise de sous-traitance qui s'appelle Création Perrin, euh, qui euh, fait à la base du bracelet de montre, mais aussi de la sous-traitance en maroquinerie, notamment pour des grandes marques comme Chanel et Goyard. Et, euh, et là, bon, moi, je suis allé sur la partie maroquinerie et j'étais ce qu'on appelle pilote d'industrialisation. Donc là, c'est vraiment du job de méthode, pure et dur, ingénieur méthode, pour mettre en place les lignes, optimiser les temps, optimiser les coûts, euh, essayer de développer euh, la, le réflexe de la qualité. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas étrangers à ça, ce qui va être les, la, la conceptualisation des normes ISO, notamment la 9001. Donc, c'est voilà, le, le management de la qualité, en fait, essayer de faire toujours mieux dans la performance et dans le respect de l'humain, voilà, donc j'ai fait ça, et euh, après donc euh, j'ai continué, ma... continué mes études, et je suis arrivé donc en stage en Suisse, à Neuchâtel, où j'ai travaillé pour deux sociétés, euh, déjà Forteresse Cybersécurité, qui était une entreprise, une start-up naissante sur la cybersécurité, qui est aujourd'hui euh, une grosse réflexion qu'on toutes les entreprises parce que c'est quelque chose qui devient globalement obligatoire de se focaliser là-dessus. Et, euh, et voilà, j'ai travaillé chez donc chez, chez Thibaut qui, qui est propriétaire de cette entreprise à Neuchâtel. Et j'ai travaillé également bah, chez Thibaut toujours qui est un, un, une entreprise qui s'appelle Mon Contrat euh, qui développe en fait par l'intelligence artificielle des contrats de travail euh, pour que les sociétés qu pas le moyen ou pas le temps de consulter un juriste etc puisse créer leur propre contrat de travail pour embaucher facilement et rapidement les gens donc voilà j'ai travaillé dans ces deux sociétés là en développement commercial et marketing où bah, j'ai pu participer notamment à des salons pour faire du, du chat avec des entrepreneurs avec des même des coachs etc pour apprendre à comment se vendre comment vendre un produit Comment arriver à vendre un produit dans lequel on n'est pas spécialisé C'est important parce que moi, je ne connaissais rien en informatique et en cybersécurité, en intelligence artificielle, j'étais néophyte complet. Et en fait, j'ai appris à comment vendre quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Donc, apprendre des bases solides, rapides, pour pas paraître paraître idiot en, en communication et en conversation. Mais après, savoir aiguiller aussi une personne qui a des doutes et savoir lui dire, bah, écoutez. Pour l'instant, je vais demander à Thibaut votre euh, avis, etc., etc. Et puis après, l'amener euh, petit à petit à, à un climat de confiance pour qu'on puisse lui proposer nos services et euh, qu'il puisse signer derrière. Et là, aujourd'hui, euh, j'ai atterri chez Forvia, qui est l'un des plus gros équipementiers automobiles pour les intérieurs de voitures. Euh, donc, euh, globalement, il fait partie... Il de est installé. Euh, c'est installé à Brières, euh, c'est euh, l'ancien euh, siège social de Forestia. C'est euh, à côté des temples en Essonne, au sud de l'Essonne. D'accord, très bien. Et, euh, et du coup, voilà, c'est donc l'un des leaders mondiaux de, de l'intérieur automobile. Et moi, je travaille pour la partie seating, donc les sièges, et encore plus précisément chez un, une, une micro spécialité qui s'appelle CWS, c'est Comfort Wellness Seize. Solution euh, qui fait en fait tous les intérieurs de véhicules euh, pour améliorer le confort et la sécurité. Donc, ça va être le massage, les sièges chauffants, euh, les caméras embarquées, euh, les capteurs de positionnement pour la sécurité, pour le déclenchement des airbags. Euh, ça va être tout ce qui est système ventilé, système audio embarqué. Donc, voilà, moi je travaille là-bas et donc je suis business développeur et je m'occupe principalement euh, de euh, coster et, euh, et de, de, de donner en fait euh, les offres. D'accord. Très bien. Donc on va revenir un peu parce que je te poserai la question sur en détail ce que ça veut dire nous expliquer ce que c'est qu'un business developer. Exact. OK. Voilà. Donc, donc tout voilà donc, plus, plus ouais. bon de voilà. Tout à voilà. Là, nous avons ton parcours vraiment assez riche, je crois que tu as acquis pas mal de compétences. Ouais, tout à fait. Alors bien. maintenant, parle-nous de ton parcours universitaire depuis le bac. Depuis le bac Ah oui, Alors... oui, 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 tout à fait, c'est très intéressant. Donc Et nous dire le ce que c'est qu'un bac. Hein Alors exactement, bah, comme tu le dis, bah, j'ai eu mon premier bac. On, on y reviendra tout à l'heure en 2014. Bac scientifique. Euh, j'ai eu un parcours scientifique tout à fait standard, euh, comme on pouvait l'avoir bah, dans l'ancien bac. Je sais qu'aujourd'hui c'est plus comme ça, mais l'ancien bac donc c'est important. On parle de spécialité maintenant. C'est -ce ouais, quoi voilà, ton bac C'est quoi Sciences maths Moi c'était science euh, vie de la terre. D'accord, très bien. Voilà. Donc Alors donc en fait on va euh, dire en fait spécialité maths SVT quoi. Ouais c'est ça. Non math... non non c'est ça hein, sciences, la vie, de la terre. Ouais, ouais, oui, bah, voilà. Math, maths, physique en fait il y avait encore les trois. Moi j'étais spécialisé biologie et biochimie. D'accord très bien. Ouais. Et, euh, et donc euh, donc j'ai eu mon bac donc en 2014 euh, parce que j'avais toujours voulu faire ça depuis que j'étais enfant. Je suis parti en médecine. Je suis parti en PACES, ah, euh, où j'ai fait euh, ouais, où j'ai fait donc euh, la première année de médecine, la première année qui globalement s'est assez mal passée parce que on arrive dans un terrain complètement inconnu euh, par rapport au lycée et euh, donc c'était extrêmement compliqué. Euh, la deuxième année où je m'en suis beaucoup plus, euh, donc, le deuxième passé où je m'en suis beaucoup plus sorti, euh, j'ai eu euh, l'opportunité d'aller en pharmacie. Euh, donc euh, si je passais mon deuxième semestre, etc. Euh, j'ai choisi de ne pas y aller, tout simplement parce que en fait, je n'avais pas envie d'être pharmacien. À hein, la base, je voulais vraiment devenir médecin. Donc euh, donc j'étais déçu, euh, dépité pour le dire. Et donc, je suis parti. Comme euh, je dirais 80% des gens, bah, je suis retourné en biologie, Alors, en biologie-biochimie, euh, où j'ai pa passé un an et demi là-bas. Et euh, le problème, c'est que je, je vivotais parce que ça me plaisait. C'était super. Je, je, en fait, j'adorais ce que je faisais, mais pas pour travailler. C'était plus un. C'était plus euh, comme un jeu, euh, c'était apprendre des mécanismes, etc. C'était très sympa pour moi, mais je voulais pas en faire mon métier, clairement pas. Et du coup, j'ai réfléchi avec mes parents, avec euh, ma petite amie de l'époque, euh, etc. Qu'est-ce que je voulais faire en fait depuis euh, depuis toujours Et à la base, euh, moi, je suis un passionné de mode et euh, je voulais faire de la chaussure. Je voulais, je voulais dire artisan bottier. Artisan bottier, oh, ouais. Artisan de bottier, pour faire les chaussures sur mesure, etc. Ça, c'est un métier aujourd'hui euh, qui est en... en voie de disparition, malheureusement. Et euh, j'ai eu énormément de mal, donc je me suis inscrit chez les compagnons, j'ai été reçu chez les compagnons du devoir, mais j'ai eu énormément de mal à trouver un, un maître d'apprentissage. Parce que c'était un cours d'année en plus, donc c'était encore plus compliqué. Donc, euh, je me suis tourné vers la maroquinerie. Je l'ai dit tout à l'heure chez Viton. Euh, je suis allé dans un lycée qui s'appelle le lycée de Deuxet, qui est à Saint-Éloi-les-Mines, à côté de Clermont-Ferrand. Spécialisé, c'est un des. Alors, il y a une dizaine de lycées spécialisés dans ça en France. Et euh, donc, je suis allé là-bas et j'ai eu la chance et l'opportunité, euh, quand j'ai visité le lycée, il y avait euh, une des responsables RH de Louis Vuitton qui visitait le lycée également. Et, euh, et j'y suis allé au culot. Je lui aurais, je leur ai dit, je lui ai dit bah, écoutez, euh, moi, c'est mon rêve de travailler chez Louis Vuitton. Euh, J'aimerais qu'on passe en entretien. Et donc, on a. Comme... J'y suis allé au culot. Euh, voilà, j'y suis allé comme ça et elle m'a dit. Euh, Ok, bah on passe un entretien dans une demi-heure. Voilà. Ah, euh, voilà. Donc voilà, euh, donc j'avais une demi-heure, donc j'ai imprimé un CV en urgence au lycée euh, et euh, j'ai euh, donc euh, j'ai passé cet entretien, qui s'est très bien passé, du coup. Et euh, j'ai été reçu, donc j'ai eu la réponse quelques, quelques temps après, quelques semaines après. J'ai été reçu, et donc j'ai recommencé un bac pro donc en maroquinerie. Ah, un Bac pro en maroquinerie, je me souviens plus de la date, mais ça devait être euh, quelque chose 2017, quelque chose comme ça. Et euh, et, euh, et donc euh, voilà, j'ai recommencé donc à un bac pro, donc en apprentissage chez Louis Vuitton. C'était génial. Honnêtement, je, je m'éclatais, je travaillais avec mes mains, enfin tout ce que j'aimais, euh, tout ce que j'aimais faire depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours en fait tout simplement. Et, euh, et après j'ai évolué au sein de Vuitton. J'ai fait un BTS métier de la mode option maroquinerie. Donc là, c'est pour apprendre à développer, à créer, à faire du patronage, à, à développer, à industrialiser et aussi à avoir la notion du coût, à savoir ce que c'est qu'un coût, ce que c'est qu'un prix, là, faire le distinguo entre les deux. Et, euh, et donc là, j'ai travaillé donc, chez Viton au bureau de style euh, en point pendant deux ans. Euh, suite à ça, j'avais Soit je restais chez Viton et je travaillais là, soit je continuais mes études, je continuer, donc j'ai fait une licence. Euh, la licence, c'est une licence qui s'appelle CAPI, donc c'est Conception, Amélioration des Procédés et Processus Industriels, que j'ai fait euh, à Montbéliard au lycée Les Huisselets. Euh, et là, j'ai eu l'opportunité euh, de, de rentrer, donc de sortir de Viton et de voir un, une nouvelle manière de travailler, donc euh, chez, chez Perrin. Et, euh, et voilà, j'ai commencé là en tant que pilote d'industrialisation. J'ai fait ça pendant une année. À la fin de cette licence, donc là, j'avais deux options. Soit, parce que je ne pouvais pas m'arrêter là, soit je pesais une école d'ingénieur spécialisée en ben, développement, tout simplement, voilà, en conception, en développement. Soit j'arrêtais ma partie technique parce que là, j'avais un gros. Euh, un, on va dire un gros bagage technique. Soit j'arrêtais le, le technique et en fait je rentrais dans une notion que je connaissais pas, qui est le commerce, le marketing, la finance, etc. Et m'ouvrir à ces domaines-là. Donc j'ai choisi de rentrer donc à l'ESTA, qui est à cheval en fait entre une école d'ingé, une école de commerce. Et, alors, euh, et je suis entré. Alors là le sigle ESTA, ça veut dire quoi exactement qu'on puisse. Alors L'école supérieure. Ouais, c'est l'école supérieure euh, des technologies et des affaires. Okay, très bien. Qui, est à, qui est à Belfort, donc euh, voilà, c'est historiquement une, une école qui a été créée par, par le bassin industriel de Belfort. Euh, le qui a eu la... Alors, je me rappelle, donc je parle déjà, je suis arrivé à Belfort en 1988. Mmh. Elle existait à côté de la chambre de commerce. Exactement, c'est toujours le toujours... Cas, toujours, à, toujours là, toujours à côté de la chambre de commerce. Effectivement, voilà. elle a été créée en partenariat avec la, la, la chambre de commerce. Il y a eu des, des des on va dire une impulsion faite de la part de Peugeot, de la part de Lizzie Automotive, voilà, de la part de beaucoup de en fait beaucoup de de grosses entreprises qui étaient qui, qui étaient et qui sont toujours dans le bassin de Belfort. Et On est euh, sur et voilà. le territoire de Belfort, c'est le 90, voilà, en Franche-Comté. Voilà, ouais, c'est ceux qui temps. nous regardent, voilà. Exactement, c'est ça. Donc, euh, juste à côté ouais, de la Suisse, euh, voilà. voilà. Pas ouais. très loin, en tout cas. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, donc, euh, j'ai fait l'ESTA, découverte complète de plein de notions que je ne connaissais pas. C'est quoi le marketing C'est quoi le commerce hein, C'est quoi un business plan C'est quoi un business model ah, Que des choses nouvelles que je ne connaissais pas, euh, que, que j'ai appris là-bas. Et en, en, donc euh, j'ai bossé assez durement pour être, euh, on va dire l'un des meilleurs de l'école. Donc voilà, j'ai été major sur, ces, sur la majorité en gros de mes écoles. J'ai été major parce que j'ai travaillé beaucoup. Et en fait, euh, à, en deuxième année à l'ESTA, ils proposent un cycle à l'UTBM pour euh, bah, les plus motivés et euh, les, les globalement meilleurs éléments euh, de, de l'ESTA. Et euh, je suis parti donc à l'UTBM en master ETI. Pourquoi? Justement, bah parce que j'avais un sujet entrepreneurial avec un ami à moi. Donc, tu es parti à, à l'UTBM, donc Master ETI, parce que avais, tu avais un projet que d'ailleurs tu m'en avais parlé. Mmh, oui, c'est ça. J'ai un, un, projet, un projet entrepreneurial, en fait, avec un, avec un ami à moi donc, qui s'appelle Mathéo. Euh, on avait pour but, on a toujours pour but, on, en revient, on y reviendra sans doute, euh, de développer une montre. Parce qu'on est deux passionnés d'horlogerie. Et, euh, et on avait pour but de, de développer une montre. Euh, responsable, mais surtout 100% française, ce qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus. Et, euh, et c'est voilà ça c'est des choses euh, l'artisanat et l'artisanat français est assez euh, on va dire mise à mal depuis, depuis quelques dizaines d'années avec ben, le, la fast fashion et ce genre de choses qui font arriver des produits de Chine, du Mexique, etc. Et on voulait réindustrialiser l'horlogerie en France qui n'existe plus. On qu'il y a un savoir-faire franc-comtois quand même reconnu au niveau international. Tout à fait, il bah, y a, y a la, la meilleure, une des meilleures écoles d'horlogerie qui est toujours à Morteau, qui existe depuis oui, les fait. années 30 à peu près, euh, qui est une des meilleures écoles On est dans le Haut-Doubs, là, Morteau. Oui, dans le Haut-Doubs, ouais, exact. exactement. Alors là, on est pile poil, on est à la frontière suisse, euh, direction l'âge retour. Voilà. Et euh, donc, ouais, il y a un énorme savoir-faire qui existe, qui est toujours là, mais le problème, problème ou pas, après, voilà, ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais les, les jeunes diplômés, en fait, de cette école, ils partent directement en Suisse parce que bah, c'est juste à côté et que oui. le, les Suisses en fait payent énormément ce savoir-faire et les jeunes y partent, ils ont raison parce que effectivement en, en notion de salaire, bah, ils ont de l'or dans les mains parce qu'ils sont bons et on les récompense pour être bons et ça bah, surtout quand ils restent frontaliers. Surtout quand ils restent frontaliers, oui bien sûr. <laughs> oui, voilà. Effectivement c'est encore mieux, ouais. c'est sûr que c'est encore mieux. Et après voilà, donc il y a des jeunes marques, enfin des marques, on va dire, qui essayent de relancer le 100% français. Euh, notamment, bah, moi, j'ai visité Yema, euh, qui est une vieille marque de mortaux euh, euh, qui existe, qui a été créée dans les années 60 environ, qui a été rachetée par les Chinois. Dans, à la, à, pendant ce qu'on appelle la crise du quartz dans les années 70 et, euh, et en fait qui a, qui a été euh, laissé à mal etc et qui a été racheté dans les années 2000 par euh, par un groupe français pour essayer justement bah, de de relancer euh, l'artisanat horloger français et là justement bah, il y a euh, je sais pas 9 dix mois on va dire ils ont lancé leur premier mouvement français euh, qui s'appelle les CMM calibre manufacture de morteau il y a le CMM 1 et 2 et, et et c'est plutôt c'est plutôt bien. On va pas se mentir, c'est plutôt très bien même. Ton projet d'entrepreneuriat, donc mm -hmm. il est toujours à l'ordre du jour. Il est toujours à l'ordre du jour. C'est alors bien sûr, alors, on est on est arrivé là aujourd'hui. On a un modèle qui a été qui a été dessiné qui a été dessiné par un ami à nous qui travaille à l'Ensem, une école d'ingénieurs spécialisée en horlogerie à Besançon, euh, qui a été dessiné par par lui, etc. Suivant nos nos prérogatives de design et de tout voilà de tout euh, aujourd'hui Matteo comme moi on travaille chez Forvia on a eu des offres du coup euh, de de VIE donc c'est le VIE c'est un, un contrat où en fait une entreprise vous envoie dans un autre pays pour vous former sur des compétences et un, apprendre un langage apprendre plein de choses enfin, une langue et plein de choses euh, Matteo a accepté un VIE au, en Espagne et euh, moi je, moi c'est en cours pour que j'aille en République Tchèque donc pour l'instant le projet est en pause le projet existe le projet est viable il a été vérifié le projet est viable pardon mais euh, mais pour l'instant on va dire qu'on a on a des des envies de voir ailleurs parce que ben voilà on sort de l'école et on a envie quand même de travailler un petit peu parce que tu le sais certainement Étienne, mais dans le monde de l'innovation, un jour de retard, c'est un jour en fait qu'on cède à la concurrence. À Il y a fait. certainement l'idée par ailleurs. Oui, bien Donc. sûr, ouais, tout à fait. Là, le, notamment, bah, en fait, on a, on a eu, justement, tu parles de ça, nous, notre, une des innovations qu'on voulait, une innovation qui n'est pas forcément technique, mais qui est esthétique, on va dire, et durable, euh, c'était de remplacer les cadrans de la montre. Donc les cadrans, c'est là où vous voyez l'heure, littéralement. Euh, c'était ce, ce ce cadran, en général, il est souvent, assez souvent en tout cas, en plastique. Ou alors, sur les montres assez, assez chères, il est en métal, en or, etc., ou en céramique. Nous, notre objectif, c'était d'utiliser des pierres de récupération, donc des pierres fines euh, comme Pierre de Lune, l'améthyste, la euh, le lapis-lazuli, etc., l'onyx. Utiliser des pierres de récupération pour les, les revaloriser euh, et les intégrer dans, un, dans une montre. En fait, et, et en fait, chaque pierre aurait une unicité, elle euh, serait unique en fait, à chaque montre, parce que bah, les détails de la coupe font que ça changerait, etc. Et. Euh, malheureusement, heureusement, après voilà, on n'est pas les seuls à avoir cette idée, mais il euh, y a une très grande marque qui a, qui a sorti une montre un peu similaire à ça, avec trois, trois coupes de pierre, etc. Alors, notre objectif à nous, c'était faire une montre qui soit quand même accessible euh, au plus grand nombre, à une bourse assez, assez, voilà, assez grande. Euh, bon, là, la, la montre dont je parle, qui est sortie d'un grand groupe horloger, est à 15 000 euros, donc c'est pas pour toutes les bourses non plus. Donc euh, voilà, nous, notre objectif, c'était d'au moins être minimum dix fois moins cher que ça. D'accord, très bien. Ouais. vous avez déjà votre positionnement sur le marché, tout ça. Oui, euh, qui a été validé, même en termes de matière, etc. Notre montre, euh, on connaît le coût euh, à plus ou moins 5%. Voilà, c'est. Maintenant, Étienne, je voudrais te demander de nous, de nous expliquer en quoi consiste le métier mmh. d'un business développeur. Voilà, pour celles et ceux qui le regardent, c'est quoi au juste Alors, si tu dois vulgariser au maximum. Oui, bah, je vais vulgariser. Alors, de manière complètement générale, on sort de l'automobile, on sort de tout ça. Un business developer, c'est une personne qui est en contact avec une autre personne qui a envie de fabriquer quelque chose. Voilà, vous êtes le fournisseur de quelqu'un. Le business developer, il est censé être là pour comprendre le besoin de la personne en face. Donc, euh, par exemple, bon, là, si je prends un exemple pour l'automobile, Ford, Renault, Peugeot, etc., veut fabriquer un nouveau SUV électrique avec des spécificités particulières. Le business developer il va prendre le cahier des charges, il va comprendre le cahier des charges avec le client et après, il va amener tout son savoir sur comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait la RD Qu'est-ce qu'on fait comme RD Est-ce qu'on n'a pas déjà des choses dans le placard qu'on pourrait réutiliser pour que ça coûte moins cher à nous et à eux euh, Qu'est-ce que je prends comme ce qu'on appelle la core team Donc, c'est notre, notre panel de compétences autour de moi. Qui je prends Pourquoi euh, Et après, on fait un gros mix de tout ça dans ce qu'on appelle un business plan. Et euh, on développe donc combien ça va coûter, combien de temps ça prend, euh, comment est-ce qu'on va faire pour industrialiser et où, surtout euh, en termes de, 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 de transport, par exemple, qu'est-ce que ça va apporter Est-ce que c'est nous qui apportons Est-ce que c'est eux, eux qui viennent chercher chez nous euh, Voilà, donc ça, c'est plein de sujets comme ça. On leur fait un business plan, donc on leur dit Donc voilà, vous avez demandé ça, on s'engage pour pouvoir faire ça. Alors, il y a des points sur lesquels on n'est souvent pas d'accord parce qu'il y a des specs qui sont parfois trop compliqués, parfois pas intéressantes. Donc on leur dit bah, Là, on n'est pas d'accord, pourquoi et après, on leur donne un contrat. Donc, ça va coûter tant. Euh, on fait ce qu'on appelle un cost breakdown et un price breakdown. Donc, c'est l'explication du coût et du prix. Pourquoi ça coûte ça Pourquoi notre prix de vente, c'est ça euh, et, et après, ben, là, on, on, on leur développe, on va dire, leur business, le business qu'ils ont envie de faire, ou une partie en tout cas de leur business qu'ils ont envie de faire. Et on leur offre un contrat, une offre. Et après, il, la déc il décide de la signer ou pas. En général, il la signe pas au début. Normal. On entre dans la phase de ce qu'on appelle la négociation. Donc, la négociation, bah, c'est euh, vous avez pris cette pièce, cette pièce-là ici. Je pense que si vous la prenez là-bas, ça va coûter moins cher. Est-ce que vous pouvez faire Est-ce que vous pouvez faire une simulation Est-ce que vous pouvez etc. Et là, on entre dans une période de discussion. Et à la fin, bah, on est tous, euh, on est tous contents. On signe. On envoie. Euh, après, ben, ce qu'on appelle le programme, en fait, hein, c'est celui qui va industrialiser littéralement sur place dans une usine, jusqu'à ce que ça arrive en série et puis que les véhicules sortent, ou les habits sortent. Euh, enfin voilà, que voilà que tout, que que ça soit fait, tout simplement. D'accord. Merci, Étienne pour cette explication simple, parce qu'on voit là qu s'adresse à des personnes qui veulent vraiment qu'on vulgarise au maximum. Ouais, ouais. Euh, des fois, on met des, des mots vraiment très tellement savants qu'on comprend plus rien. Voilà. Exactement. Merci, bah, merci. Si, si je vais je juste détailler un point pour que ce soit vraiment plus simple. Oui. Le business plan, euh, c'est un document qui intègre en fait tous les paramètres d'un coût. Donc, ça sera la part matière, la main-d'œuvre main que ça va coûter, ce qui va être euh, les dépréciations des, des machines. Par exemple, quand vous achetez une machine, en fait, elle perd euh, le coût, enfin, le, le prix. Par exemple, si on a payé une machine 1000 euros, elle ne va pas. On va dire, elle ne va pas valoir 1000 euros sur toute sa vie. Donc, elle va se déprécier au fur et à mesure. Et en fait, il y a tous ces petits paramètres-là jusqu'à ce qu'on arrive à un prix final. Donc voilà, ça, c'est un business plan. Merci, Étienne, pour cet effort de, de, de vulgarisation, de simplification. Je passe à la suite maintenant. Donc, j'ai bien compris. Donc, je, je, je tiens à vous préciser que notre entretien est enregistré en, en juin 2024. Donc, je ne sais pas le moment où je mettrai cette vidéo en ligne, mais il faut savoir qu'on est en juin 2024. Etienne est en train de valider son, son diplôme d'ingénieur d'affaires à l'ESTA ouais, de Belfort, territoire de Belfort. Perfect. Je crois que le master validé aussi, hein, master ça devrait, à l'UPBM, voilà, entre, entrepreneuriat, technologie et in, in, innovation. Alors, ma question, qu'est-ce qui t'attend maintenant Tu as des, certainement des perspectives. On en a parlé juste avant l'enregistrement. Je voudrais que tu me oui. tu, tu répètes, mais assez rapidement. Bah, les perspectives, alors, euh, donc moi j'ai un parcours assez spécial et je pense que ça m'aide énormément, surtout auprès des chasseurs de tête. Euh, là, donc, je me suis mis en profil ouvert sur LinkedIn, qui, doit être un, qui est un réseau social que vous devez connaître, j'imagine. Étienne, euh, ça ne te, te dérange pas que je joins ton, on va, voilà, enfin, le lien LinkedIn dans, ton, ton ton lien, lien, non, non, dans le descriptif de la vidéo Aucun problème, Après, au contraire. Ça, on peut s'adresser directement à toi si on a des questions. Ouais, bien sûr, si les gens Après. veulent me, me contacter, il n'y a aucun problème, oui, bien sûr. Je suis aucun souci. Bien. Euh, donc du coup ouais, je me suis mis donc, en profil ouvert sur LinkedIn pour montrer bah, que j'arrivais en fait euh, au terme de mes études et euh, entre guillemets voir si on allait me, me essayer de, de me contacter pour m'offrir un job. Euh, donc depuis que j'ai fait ça, donc ça je l'ai fait en avril environ, euh, ouverture de ça, euh, j'ai reçu environ 40 offres d'emploi. Euh, 40... ouais, c'est énorme ouais, à peu près entre 30, 30 et 40 offres, je crois qu'on si est plus vers les 40 que les 30 mais énormément d'offres sur des sociétés plus ou moins intéressantes et des postes plus ou moins intéressants. Et après, c'est à trier, hein, évidemment. Sur tout ça, je pense qu'il y avait entre 5 et ouais, 5, 6, 7 postes maximum qui étaient vraiment intéressants et ou, sur lesquels j'aurais pu, pu postuler. Chose que je n'ai pas fait, pourquoi euh, Tout simplement parce que là, donc chez Forvia, ça se passe vraiment très bien. Euh, je pense que les gens avec qui je travaille chez Forvia m'apprécient et voient le travail que je fais. La qualité, en tout cas du travail que je fais. Et euh, c'est pourquoi, donc, on m'a proposé euh, plusieurs offres. Euh, la première, c'était superviseur de production dans une usine de Forvia, donc, pour diriger, euh, manager euh, un certain nombre d'opérateurs, du coup, bah, pour euh, voilà, pour leur opération de tous les jours. On dire ça. Euh, donc offre que j'ai refusée, tout simplement parce que, en fait, on m'a offert aussi l'opportunité de partir à l'étranger. Il euh, y a deux offres qui s'offrent à moi aujourd'hui. Donc, il y a les États-Unis en tant que Business Developer Manager. Donc, là, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ou alors euh, en République Tchèque euh, pour partir en tant que DPM. Donc, c'est Deputy Program Manager. Euh, c'est dans la continuité de l'acquisition. Le Program Manager, c'est la personne qui vient juste après le Business Developer, tout simplement. Donc, en fait, ça ferait une continuité dans mon apprentissage. Là, je... Je finis les cours, mais bon, l'apprentissage, c'est toute la vie. Donc là, voilà, je, je, quitte la, je quitterai mon école en tant que business developer et je démarrerai une, un nouvel apprentissage en tant que petit programme manager en République tchèque. Donc, ça, c'est l'offre sur laquelle, pour l'instant, je suis la, le plus à même de postuler. Voilà. Je vais me permettre de te poser quand même une question, mais je sais qu'en France, c'est une question gênante quand, il, quand ça concerne l'argent. Non, quand on sort on, de quand école, on, quand on est ingénieur d'affaires, fraîchement hum. diplômé avec un master en entrepreneuriat, technologie, innovation, donne-nous une fourchette d'après les propositions qu'on t'a fait, rémunération, minimum, maximum, en sachant que tu débutes, on va dire junior, tu débutes ouais, dans, le, dans ta carrière. Alors, c'est une question qui est un peu compliquée parce que si on, si on se base sur moi... Euh les salaires vont être assez élevés. Parce que, euh, parce que bah, en fait, j'ai déjà de, de l'expérience derrière moi, donc on m'a proposé des salaires relativement élevés. Sur les offres qu'on m'a fait, il y a un range qui est entre, je dirais, entre 30... Euh, bon, il y, y en a qui essayent de débaucher à 28, 29, 30 000. Bon, quand on sort avec un peu plus 5, il faut vous dire non. Ça, c'est clair, parce qu'il ne faut pas se dévaluer, il faut, faut savoir aussi là où on veut aller. Très important. bien, c'est bon conseil, ça. C'est un très bon conseil. Voilà. Ça, c'est important. Il ne faut jamais se dévaluer, c'est important. Donc, euh, mais en, termes de, en cohérence, par contre, il y a des offres, on va dire, entre 34, qui est un salaire, on va dire, moyen en entrée, 34, jusqu'à 40, 41. Voilà. Personnellement, euh, moi, on m'a proposé donc, euh, un, une offre aux, en, aux environs de 45 000 euros. Voilà. D'accord, très bien. Non, mais voilà. c'est voilà, indicatif pour celles et ceux qui nous regardent. J'ai ouais, entendu ton, ton récit, ton témoignage, ton parcours. Mm -hmm. voilà, après... ah, moi, je n'ai aucun problème à parler, à parler salaire. Pour moi, il n'y a pas de, a pas de, moi, a pas pas de tabou le sur le moment, salaire. C'est pour, ouais, pour ça que je te remercie. Donc, c'est pour ça que je n'oblige personne, mais si on ne veut pas donner son salaire, c'est tout à fait normal aussi. Et après, pour les VIE, parce que je vais repartir là-dessus, donc ce que j'ai dit pour le, les États-Unis et la République tchèque. Euh, ça, des, euh, les salaires pour ce genre de poste euh, sont fixés en fait euh, via un barème de Business France. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur Internet. En République tchèque, c'est euh, aux alentours de 2 700 euros net, 2 600, 2 700 euros net. Et après, ça dépend des pays. Il y a des pays qui sont… Euh, en fait, ça dépend du coût de la vie, euh, de, la de, de la dangerosité des pays. Parce qu'on peut faire un pays dans un VIE dans tous les pays du monde. Euh, donc il euh, y a tous les pays, on peut aller en Afghanistan en fait hein, pour faire euh, de l'humanitaire en VIE. Donc là on est très bien rémunéré forcément, c'est assez risqué ouais. d'y aller. Voilà, donc, voilà personne n'y va donc il faut quand même, euh, là pas du gain, fait que. Et après des pays qui ont un, un, une, un très très haut niveau de vie, le Japon. Les États-Unis, etc. C'est des pays aussi qui rémunèrent beaucoup plus, de l'ordre de 4 000, dollars, 4 mais ce qui paraît être beaucoup, mais qui remis dans ces pays-là est euh, parfois un peu, et parfois Merci. Peu. Merci Étienne pour cet échange. Une dernière question bien. que que je pose à toi, enfin, je demande à tous mes invités à la fin de notre entretien, en deux minutes. Donc c'est un défi que je te lance. Quel conseil donnes-tu? à nos jeunes, mais pas seulement les jeunes, les lycéens, hein, étudiants, aux demandeurs d'emploi, aux personnes en reconversion professionnelle, aux simples curieux, aux parents, quel conseil peux-tu leur donner pour qu'ils réussissent leur parcours en se basant sur ton propre parcours Ok, deux minutes. Franchement, c'est pas compliqué. Moi, je dirais, c'est ce que je, alors, moi, je suis ambassadeur à l'ESTA et je, 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 je m'occupe des gens qui rentrent et qui veulent rentrer. La chose que je dis souvent, c'est, faut savoir s'écouter. Ça, c'est important. Euh, faut pas euh, se laisser euh, trop guider par une tierce personne. Il Faut savoir aussi savoir connaître ses passions, les suivre. Moi, par exemple, j'ai recommencé ma carrière en maroquinerie. Donc, suivez, écoutez-vous, réfléchissez avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui vous anime Et allez-y à, à fond. Voilà, allez-y à fond. N'ayez pas peur du jugement. De, de, ouais, de, de du regard des autres, etc. Si vous avez envie de faire un bac-pro, faites un bac-pro. C'est bien. Ce n'est pas, pas parce que vous n'êtes pas euh, médecin, ingénieur, pharmacien ou je sais pas quoi que vous avez pas réussi votre vie. C'est faux. C'est faux. Tant que votre métier vous plaît, c'est la plus grande gratitude que vous pouvez vous faire à vous-même. Faites ce qui vous plaît. Si votre but, c'est d'être fleuriste, si votre but, c'est de devenir médecin, si votre but, c'est de devenir designer. Voilà, bah, faites-le, tout simplement. Ne soyez pas bridés par des, par des concepts qu'il y a aujourd'hui qui disent que bah, pour réussir, euh, il faut absolument euh, euh, être euh, je ne sais pas quoi dans je ne sais pas quelle entreprise, etc. Juste écoutez-vous et vous verrez que vous serez bien plus heureux et vous réussirez beaucoup mieux votre vie. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner. Merci beaucoup Étienne pour ce... Pour ces conseils, encore une fois, merci d'avoir accepté merci toi, mon invitation pour bon, cette entretien. Tu as bien compris que le principe, c'est juste de partager, sans témoignage, sans parcours, avec des personnes ouais, qui en ont besoin pour les aider dans leur cheminement, dans leur parcours. Ouais, tout à fait. Et comme je l'ai dit, euh, si euh, donc tu peux laisser mon LinkedIn, si les... n'importe quelle personne veut me recontacter, n'importe quel âge, n'importe quel type de parcours ou reconversion professionnelle ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, je suis, enfin, je réponds assez rapidement. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, il n'y a aucun problème et il n'y a pas de honte à poser une question, ça, il faut s'en rappeler aussi. Donc je rappelle, Étienne, que tu es business developer, tu es ingénieur d'affaires, donc tu as fait tes études à l'ESTA Belfort, mmh. dans le territoire de Belfort, Franche-Comté, et en même temps, tu as fait un master en entrepreneuriat, technologie, innovation à l'UTBM, on est toujours Belfort-Montbéliard, on est en Franche-Comté, territoire ouais, de Belfort-Montbéliard. Tout Et en fait. même temps, tu es entrepreneur sur un projet qui m'intéresse beaucoup. Je voudrais bien connaître euh, quand même l'avancement. Voilà, on est dans l'horlogerie, on va dire. Voilà, comme, ouais, dans l'horlogerie. Voilà. Clairement, clairement, dans l'horlogerie. Et ben, merci beaucoup, Étienne. Encore une fois. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, merci à vous qui nous regardez. Donc, j'espère que cet entretien vous aide dans votre, dans, dans, dans votre cursus, dans votre parcours. Peut-être vous avez des réponses à vos questionnements. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser directement à Étienne parce que j'ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous me les posez. Si je peux répondre, je le ferai. Sinon, je transmets à Étienne. Autre chose, je rappelle toujours à la fin de chaque vidéo. Si vous-même dans votre entourage, vous avez des métiers et vous souhaitez les partager avec d'autres, vous pouvez toujours me contacter, on enregistre un entretien en distanciel, en présentiel. Encore merci. Merci encore Étienne et à très bientôt. Merci, merci à revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir.